En février 2020, une équipe de télévision relevait le challenge d'émettre en direct tous les jours des régions des savanes, des plateaux, de la Kara, du centre, jusqu'à la région maritime. Saint-Cassé, Mandoury, Bapouré, Bafilo, Niamtougou, Sotouboua, Kara, Sokodé, Atakpamé, Kpalimé, Dani, Pélé, Vogan, Toum, Noche, Agbelouvé et bien plus encore. Un tourbillon de rencontres au travers du prisme de la campagne électorale. Deux semaines durant lesquelles j'ai découvert un pays riche de ses différentes cultures. Une aventure humaine inoubliable à regarder tout simplement. Danseurs traditionnels de Niamtougou, échassiers d'Atakpamé, cavaliers émérites de Bafilo assurent le spectacle en préambule des meetings. Nous sommes ballottés d'un bout à l'autre des cinq régions du Togo à en perdre notre latin. C'est au tour de la petite ville de Dani d'accueillir dans son établissement scolaire les foules venues des environs. Les écoliers se réjouissant des attractions pour l'occasion. Chants et danses encore à Vogan, où les groupements de femmes s'expriment haut et fort à chaque rassemblement sous des températures exténuantes. La route vers un nouveau point de ralliement communiqué à la dernière minute. Cette fois-ci, c'est direction Kara, la deuxième ville la plus importante du pays après Lomé, le centre névralgique de notre tournée. On essaye de trouver la place, on est entre l'arbre du voyageur et la montée des escaliers sous le palais des congrès. Bon voilà, on a trouvé enfin notre place. Après cette petite aventure tout terrain, il faut faire attention parce que là on est carrément sous l'escalier quoi. Donc il va falloir qu'on puisse bouger un peu. Oh,
l'écho de la chorale des étudiants de Kara berce mon voyage à la nuit tombée vers le Grand Nord. La savane, terrible savane, et le feu dans la savane. Viens ma belle, viens ma gazelle. On s'approche de la frontière avec le Burkina Faso. Saint-Cassé vit révolte. La région des savanes frémit au refrain de la campagne. À peine le temps de faire quelques emplettes sur le chemin du retour et de goûter au fameux Tchakpalo, la bière locale, avant de quitter de nouveau. Ah, j'ai déjà acheté là. Le charivari des sons et des couleurs durant cette quinzaine restera à jamais gravé dans ma mémoire. Ouais, voilà, on passe dans la faille. Avec Philippe. Oh là là, c'est Philippe qui conduit, qui est passé sans toucher les bords. Et c'est une petite minute de tourisme après ce périple. Ouais. De 4000 km à travers le Togo, du nord au sud, du sud au nord, de l'est à l'ouest, de l'ouest à l'est. Et ici, c'est la faille d'Aledjo. Et c'est effectivement, c'est incontournable, quoi. C'est dommage de passer à côté de ce petit bijou. Voilà. On a taillé la roche pour passer d'un côté puis de l'autre. Si vous allez à Lomé, la capitale du Togo, dites bonjour à mes amis et que bientôt je reviendrai. Oui, je reviendrai à Lomé, la souriante, la capitale d'un beau pays qui est le Togo. Tout est joli, tout est beau à Lomé. C'est comme un coin de paradis où il fait bon vivre.